Consumina-san, Sophic Death. On se retrouve sur Planet Coaster Plus Space Challenge, la petite suite. J'ai reçu une boîte. Donc on va regarder la boîte. Ah, voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que ça arrive, hein, y en a qui n'ont pas forcément suivi. Le thème de cette dernière planète était une sorte de forteresse volante. Donc l'idée, c'était d'avoir des éléments de... comment on appelle ça? Ça y est, j'ai oublié le mot. De rempart. Tout autour comme ça de l'île, et ensuite d'avoir des boîtes à l'intérieur, j'avais expliqué tout ça, hein. Et puis les boîtes, je vais les coller, les assembler, ça va faire la forteresse. Après, je décorerai, évidemment, l'extérieur des boîtes. Donc j'ai reçu une boîte de Santanac, donc on va se regarder ça, je vais pouvoir enlever toutes les attractions qui ne servent du coup absolument à rien. Et voilà, donc je fais une petite coupure YouTube, parce qu'on ne sait jamais, des fois que j'ai des problèmes pour poser la boîte, hein. Alors, voici la boîte de Santanac. C'est une grosse boîte. Hein. Elle prend pas mal de place sur l'île. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que du coup, on n'a pas besoin non plus d'une vingtaine de boîtes pour remplir l'île. Plus pratique. Voilà, donc il y a un passage ici. Alors, je n'ai pas refait les chemins parce que je n'ai pas d'image. Et voilà, je ne vais pas pour l'instant faire les chemins. Et on va regarder ça. Alors, je ferai les chemins, je vous l'ai dit, quand j'aurai plusieurs boîtes. Ah, regardez, donc il nous a fait une zoulie attraction. Alors je rappelle que le thème à l'intérieur était complètement libre. Libre, libre, libre. Zéro contrainte. Donc là, on arrive dans l'attraction avec les chaises volantes. Avec des tentacules, ça fait un peu octopus, effectivement, avec le... Enfin, octopus. Octopus, c'est bon. Il y en a 9, non? Je pense qu'il y en a. C'est pas très grave. Et ce qui peut être éventuellement le, je sais pas, la tête de la pieuvre ou du poulpe. Je ne sais point. Là, il y a un écran. Alors j'ai des images. Hein. Santanac m'a envoyé des images. Je les ai téléchargées. Elles ne s'affichent pas. Voilà. Ah, encore une fois, je réglerai ça avec Santanac. Je lui demanderai comment. Comment est-ce qu'il a procédé pour les chemins? Comment il a imaginé les chemins? Donc voilà, donc un joli décor aquatique, ma foi. Ou en couleur, c'est très coloré. Il y a pas mal de changements de couleur. Ouais, oh, petite bulle! C'est joli, petite bulle! Avec le ponton, donc j'imagine qu'il y a un petit chemin qui doit être donc la file d'attente. Qui va passer sur les pontons, il n'a pas fait de courbe, voilà, ça c'est quelqu'un de sympa ça. Voilà, il y a un autre écran ici, donc c'est dommage que l'on n'ait pas l'image quand même. Ça me chagrine, mais en fait je ne sais pas du tout quelle image. Elles se sont pas remises automatiquement, et du coup je ne sais absolument pas quelle image. Est-ce que c'est les cubaires? Pas du tout. Je ne sais pas comment il les a appelés. Voilà, on verra plus tard. À moins que ce soit l'image 1 qui va... Peut-être... Non, parce que là, c'est encore image 1. C'est très étrange. Bon, écoutez, on va pas... Je lui demanderai... Voilà. Je crois que j'aurais même pas besoin de lui demander, il va me le dire tout seul. Et voilà, mais c'est vrai que, bon... marche, alors c'est pas ça, c'est quasiment sûr que c'est pas ça, mais bon, on va s'en contenter en fait pour, pour la découverte. Donc voilà, c'est très très sympa. C'est vrai que j'aime bien l'ambiance, hein. Elle est très très colorée, très et c'est assez sympa. Donc là j'imagine qu'on a, alors c'est peut-être là l'entrée de la file d'attente, puisque là je pense qu'on a un chemin qui passe. Et là, donc, c'est la sortie. Non, c'est l'entrée. Oui, bah, c'est là, la sortie. Voilà, elle est là. Voilà. Donc, la sortie, elle arrive là et connecte directement au grand chemin qui est là. Ok. Nickel. Donc, t'as mis quelques rochers en haut. J'ai pas vu à combien tu étais de pièces. Si tu étais à la limite ou pas. Mais ma foi, c'est fort... C'est fort joli. On va éteindre la lumière, hein, j'ai des petites loupiottes. Alors il a fait exprès de ne pas fermer. Pour moi. Pour que ce soit plus facile. Voilà. Hein, donc je fermerai
en temps utile. 3914, voilà, sachant qu'on est limité à 4000, si je dis pas d'un truc. Tu as mis ce que tu pouvais au maximum. Allez, on va éteindre la lumière. Et là, on arrive dans un autre monde, parce que là, on a quelques petits éclairages d'ambiance. Des petites lumières d'ambiance, disons, ça. C'est descendu d'un coup l'éclairage, là. Les petites loupiottes pour éclairer le chemin et pas mal, ouais, effectivement, pas mal de spots d'ambiance. On voit que c'est vert tout autour. Ça a été éclairé en rouge au milieu avec la traction. Donc c'est voilà, encore une fois, c'est très très travaillé. Alors, pas d'éclairage ici. Là, c'est très très sombre, par exemple. Et là, on retourne vers la lumière. Donc, pas mal de spots, c'est pas mal, hein, de mixer ce qu'on appelle les éclairages d'ambiance, éclairage volumétrique, j'en sais rien, je suis pas éclairagiste. Et puis les petits éclairages plus, alors c'est joli, mais plus technique pour baliser par exemple le chemin. Ça, c'est sympa, ça crée des belles ambiances. Ça marche plutôt bien également sur le plafond, même si effectivement il y a des trous, hein, évidemment. Tu pouvais pas tout remplir, mais je trouve que ça ressemble assez bien, surtout qu'il faut éviter que ça dépasse de la boîte, hein, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Donc voilà, c'est chouette. Alors on se refera probablement vite fait une petite visite quand j'aurai les bonnes images et quand j'aurai la musique, parce que j'ai pas la musique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, on repasse au jour. Et puis donc, merci beaucoup Santanac de cette première boîte. Ça fait plaisir, je la replacerai évidemment bien mieux la prochaine fois. Donc il y a une deuxième boîte qui est en approche, la boîte de Elzébulon, hein, qui devrait pas tarder à arriver. Et il y a la parcelle de Santanac également, donc c'est celle-ci, qui devrait également arriver dans pas très longtemps. Assez sabot sous peu, hein, comme on dit, tantôt, ça dépend de la région. Donc voilà, alors moi je vais continuer un petit peu, il ne me reste pas énormément de temps forcément. Je vais continuer un petit peu le décor, voilà, du post-apo, hein. Je vais faire les zones un petit peu de transition. Et puis voilà, je pense qu'on sera à peu près à l'heure d'arrêter. Puis de toute façon, je ne vais pas aller me remettre sur autre chose, mais voilà. Bon, allez, je file tout de suite. Voilà, la petite partie de création est terminée, hein, comme prévu. J'ai pas énormément avancé, mais bon, on a commencé à entamer quelque chose de sympa. Donc, ce que j'ai fait là, hein, vous voyez, j'ai juste redécoré un tout petit peu ici, j'ai fait un peu propre là, et j'ai fait la route qui va mener à la gare, puisque là-bas, c'est la gare. Et vous voyez que j'ai commencé à entasser des bagnoles. Alors j'ai refait un petit peu de peinture, ça me plaisait moyen. Voilà, j'ai remis un petit peu d'herbe séchée un peu de partout là, puis hein, sous les buissons. C'est anecdotique. Je vous le concède. Je me suis rappelé qu'il fallait que je fasse l'habillage du kart. Bah oui, l'habillage du kart. Donc ce que j'ai décidé, ce qu'on a décidé, puisque Elzébulon a participé quand même au choix. C'est de faire donc là, style, c'est vraiment une course organisée dans le désert. Donc l'idée, c'est vraiment de beaucoup jouer avec les carcasses de voitures et puis des éléments comme les pneus, des barrières métalliques, je sais rien, un petit peu cet univers là, hein, que vous connaissez, je pense, pour aller créer une sorte d'habillage, quoi. On va fermer un petit peu, voilà, simplement on va se faire un petit décor comme ça, un peu à la Mad Max, un peu, je vais pas revoir les films, juste pour ça. Mais bon, j'ai fini le jeu à 100%, voilà, parce qu'il était très bien ce jeu. J'ai juste pas eu le dernier succès parce qu'il y avait un bug, parce que je l'ai fait, mais il y avait un bug, mais sinon je l'ai fini à 100%. Donc je vois à peu près l'ambiance. Et ici, il y a un crew qui n'est pas si peu important que ça. D'ailleurs, je peux peut-être mettre une petite attraction.
on verra. Donc l'idée, c'est plus de faire genre un petit garage. Donc voilà, associé aux cartes, on aura un garage pour réparer simplement les cartes. Et voilà. Pourquoi pas éventuellement un bureau pour faire les inscriptions pour ceux qui veulent participer à la course, choses comme ça, quoi. Ça peut être assez sympa. Ça peut être rigolo. Alors, il n'y a pas de... comment ça s'appelle ? De fil prioritaire. Et je crois pas qu'il y en ait ici non plus. Donc, si je mets un point information, forcément, il sera pas vraiment utilisé. Le vendeur, il va se faire chier. Mais bon, on verra. Parce que s'il y a une attraction là, peut-être que je peux faire une file de passe prioritaire. Du coup, ça justifie techniquement dans le jeu, je veux dire, la présence du point information. Ça peut être ça. Voilà. Voilà. Donc, prochain épisode. On fera juste un tout tour rapide. Dans la boîte de Santanac, puisqu'il est passé sur le live, il m'a mis la musique à disposition. Donc, il faut que j'aille la récupérer. Et puis, je réglerai cette histoire d'image. Donc, on fera juste un petit tour, histoire de voir ce que ça donne avec la musique et les images. Je pense qu'on va passer un petit level. Et on aura peut-être... je regarde là, parce qu'il est là, en fait. Là juste là. Peut-être la boîte de Elzeblon. On verra. Peut-être qu'on aura la parcelle, d'ailleurs, tiens, de Santanac sur la planète post-apo. La deuxième parcelle, du coup. Et puis voilà, on verra. Sinon, je continuerai ce petit habillage. Ma foi, fort sympathique. Voilà, ça me motive. Voilà, c'est vrai que quand je passe tout un épisode juste à reproduire des chemins, c'est bien, parce qu'à la fin, comment dire, on découvre le truc, c'est assez sympathique. Mais déjà, bon, en termes de stream, c'est pas hyper... hyper sympa, quoi, de regarder un mec faire des chemins, c'est pas toujours pas toujours évident. Et puis surtout, moi, je joue pas vraiment, je fais que des chemins. Donc là, je refais un petit peu de création, c'est plutôt sympa, ça me va bien. Voilà, Elzeblon qui dit j'ai prévu de le finir pour la semaine prochaine. Donc on aura, a priori, il y a de grandes chances, la boîte de Elzeblon. Allez, sur ce, je vous laisse là, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt sur Second Games pour d'autres vidéos. Ciao, tchana. Voilà, la vidéo est terminée. N'oublie pas le petit pouce, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, ça permet de nous soutenir. Tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressantes. Si c'est pas déjà fait, clique ici pour t'abonner, tu verras, ça marche même sur mobile. Et retrouve-nous sur Discord, Twitch, Steam ou Facebook. Et je te dis à tout de suite.